les cupcakes, c'est moi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé dans mon décor, dans le box. Donc je suis contente de vous retrouver pour une vidéo face cam, ça faisait très longtemps. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, comme vous pouvez le voir au ballon derrière. J'ai fêté mes 26 ans il y a quelques jours, du coup vous verrez ça dans le vlog qui va suivre normalement cette vidéo. Et j'ai reçu quelques cadeaux trop bien de mes amis, de mes proches, de ma famille, parce que c'est clairement ma famille. Voilà, et du coup j'ai décidé de vous les montrer. Je sais que chaque année je fais une vidéo pour vous montrer mes cadeaux. Comme d'habitude je le récapète. Je le répète et je le récapitule. Je le récapète. Pourquoi pas. Chaque année je vous le dis, je vous les montre. C'est pas pour faire oui moi j'ai eu ça nanani. Non, comme d'habitude c'est parce que ça me permet moi d'avoir des souvenirs des cadeaux que j'ai eu etc. Mais également de remercier mes proches. Et je trouve ça hyper cool. Donc voilà, je commence et je vous montre ça tout de suite. Bref, du coup j'ai commencé par 2-3 trucs que je me suis pris moi. Chaque année, vous savez, je me fais toujours des cadeaux de moi à moi. Donc déjà, je me suis pris cette perruque rose et noire. Donc c'est un split hair, elle est longue et lisse. Je voulais poster déjà en story Instagram et je voulais montrer dans le vlog. Donc vous la verrez porter dans le vlog, ne vous en faites pas. J'ai également pris des petites oreilles de chat que je vous ai déjà montré, mais que je sais pas où je les ai foutues, donc voilà. Et également ce petit collier, vraiment trop mignon, avec des petits diplodocus parce que j'adore les dinosaures. Mes petits cadeaux de moi à moi. Ensuite, j'ai été gâtée, mais vraiment, j'ai reçu plein de cadeaux. Je vais d'abord vous montrer ça. Du coup, j'ai reçu une petite carte de mon papa. Chaque année, mon papa m'envoie toujours des cartes. Et cette année, c'est un petit pug. Je suis trop contente parce que j'adore les pugs. Vraiment, c'est mon chien préféré. Et à la fête, du coup, j'avais fait un petit burn book comme ça, avec des petites photos dedans et tout. Et j'ai eu plein de petits mots, du coup, de mes proches. Et ça, c'est trop cool. Je vais pouvoir mettre la date dessus et le garder avec mes cartes et les mots que j'aime toujours garder. Je suis quelqu'un qui garde toutes les lettres. J'ai toutes mes cartes depuis mes 1 an. Les cartes que j'ai reçues également pour remercier, enfin, pour féliciter mes parents de ma naissance et tout, je les ai. Voilà, je garde toujours toutes les cartes, les lettres ou les petits mots qu'on m'écrit. Je les garde dans une enveloppe, une énorme enveloppe et une boîte bien précieusement. Du coup, ensuite, de la part de ma fille, du coup, qui est ma belle-sœur, du coup, Philippine, et un ami d'Orient, j'ai reçu, du coup, des trucs Harry Potter. J'ai reçu ces planches de magnettes Harry Potter qui sont vraiment trop belles, je les avais jamais vues. Du coup, il y a 21 magnettes différents, ça va aller. Clairement, je sais pas si je les mets sur mon frigo ou si je les mets dans ma collection pour pas que les enfants les abîment. I don't know, mais ils sont trop beaux. En plus, j'en ai vu un, il y a un truc avec Bellatrix Lestrange et tout, je suis trop contente. Parce que si vous le savez pas et que vous êtes sur ma chaîne ou que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis une grosse fan d'Harry Potter, vraiment une Potterhead de ouf, je suis Serpentard. Et voilà, je suis très contente dès que j'ai des nouveaux trucs à mettre dans ma collection. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo collection, bah, ça tombe bien, j'ai des trucs qui s'ajoutent à la collection, trop bien. Je bégaye un peu, je suis désolée, je m'étale un peu partout. Je suis claquée, j'ai tenté de me maquiller pour cacher mes cernes et c'est un échec total. J'ai passé une très mauvaise nuit donc du coup, ne m'en voulez pas, voilà. Et également du coup j'ai reçu un lot de 3 verres comme ça, trop beaux. Donc il y a Serpentard, Gryffondor et Hogwarts, donc Poudlard. Ils sont trop beaux. J'avais déjà celui-ci que j'avais eu tout seul, en mode j'avais un verre avec un porte-clés et tout. À l'époque où j'étais encore Gryffondor, c'était Billy qui me l'avait offert. Donc là je suis contente, ça me fera 4 verres, ce qui est vraiment trop cool puisque je vais faire une soirée Harry Potter, enfin un dîner un peu sur le thème d'Harry Potter avec Millie et Grégoire. Du coup on pourra même avoir des verres Harry Potter. That's perfect. Voilà, ensuite... De la part de Chaton, donc mon ami Chaton, on s'est retrouvé là, on se connaît depuis le lycée mais on s'était pas vu depuis des années. Et là on s'est retrouvé et ça m'a fait vraiment du bien de la revoir. C'est quelqu'un de vraiment très mignonne que j'aime beaucoup, c'est mon petit chaton. Et elle m'a offert du coup cette très jolie petite fleur, il y a un calanchoé dedans et d'autres plantes que je connais pas trop les noms. Et rose bien évidemment, et elle m'a mis avec un petit masque, voilà, pour le visage. Et elle l'a pris parce que c'était marqué It's Vegan et effectivement elle est certifiée vegan. Et du coup il est... à la rose et au murumuru butter. Je sais pas ce que c'est, murumuru butter. Et du coup, moi j'adore les produits en plus à la rose. À chaque fois que je mets des trucs de l'eau de rose sur mon visage, Doudou dit que je sens la vieille dame. Mais moi j'adore cette odeur, donc voilà. Avec cette petite fleur qui est vraiment trop mignonne. Je vais demander à Doudou de s'en occuper parce que ça me ferait chier qu'elle meure. Parce que chaque fois que j'ai des plantes, elles décèdent. Je suis vraiment très nulle. Genre, j'en ai une que j'ai maintenue en vie depuis pratiquement un an, je suis trop fière. Voilà, mais du coup ça j'adore. Et en plus elle le savait pas mais le calanchoé c'est une de mes fleurs préférées pour l'intérieur. Je trouve ça trop beau. J'en ai déjà acheté 5 ou 6 si ce n'est pas plus, mais je les ai tués à chaque fois.
Et comme ça suffisait pas et qu'elle est trop mignonne, elle m'a également acheté une boîte de macarons. Donc là, je vous montre, il en reste déjà plus que 4, hein, mais je les ai déjà mangés parce qu'ils sont trop trop bons et que je voulais pas les gaspiller. Donc là, par exemple, j'en ai un à la fraise, un au caramel. Ça, c'était la première fois que j'en goûtais. Ils étaient à la pomme, donc il m'en reste un. C'est excellent, les macarons à la pomme, vraiment. Et un à la framboise, qui est mon goût préféré. Il y en avait également des bigous. Il y avait genre chocolat passion et framboise chocolat. Une tuerie. Je les ai tous trouvés très bons, même ceux à la vanille. Je suis pas de grande fan des macarons vanille ou chocolat. Et là, ceux au chocolat et ceux à la vanille, je les ai défoncés. Du coup, il en reste un au caramel. C'est ceux que j'ai le moins aimé, à savoir parce que j'aime pas vraiment le goût du vrai caramel. J'aime pas quand c'est trop caramel, genre. Dans les Twix et tout ça, ça me gêne pas parce que je trouve qu'il a pas trop de goût. Mais là, on sent que c'est un vrai caramel fait maison. Et du coup, il goûte vraiment beaucoup, beaucoup le caramel. Mais c'est très, très bon du coup. Après, c'est juste que c'est moins à mon goût. Mais ils sont excellents. Du coup, je connaissais pas du tout. C'est marqué Feuillette plus qu'une boulangerie. Du coup, vous avez le site là. Voilà. Je sais pas où c'est situé ni rien. Je sais pas s'il y en a d'autres en France. Mais c'était vraiment très bon. Désolée pour le changement de lumière. Comme je suis un peu teubée, j'ai ouvert les volets, mais je les ai pas accrochés. On ne se refait pas. Ensuite, ok, pour rester sur la bouffe et tout, mon amie Maëva m'a ramené une bouteille de mort subite. Voilà, simple mais efficace. On l'a pas bu parce qu'il y avait déjà pas mal de choses à boire. Et mon ami Quentin, lui, m'a ramené ça pour goûter une bière artisanale aux fruits rouges, comme ça. Voilà, trop mignon. Je pense qu'ils me connaissent bien, genre des bières aux fruits rouges, toute ma vie. J'ai ensuite reçu ce petit sac de la part de Mathéo et Valentine, et en réalité c'est pas un sac, c'est tout simplement une boîte à bijoux. Hop, attendez, j'essaie de l'ouvrir correctement. Elle est très très jolie d'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, donc ça c'est une petite boîte à bijoux, vraiment trop mignonne. Mais même en sac il aurait été trop beau en vrai, parce que je trouve que... Bah, j'adore, en plus orange comme ça, je pense que je m'en servirai quand même pour des looks cet automne parce qu'elle est vraiment trop belle. Et avec, j'ai reçu ça, voilà. Attention, ça va être très glamour, donc ce sont des gélules de paillettes. Vous pouvez les manger, c'est sans risque en fait, vous avalez la gélule et vous faites caca des paillettes. Oui, ça n'a aucun intérêt, mais ça faisait beaucoup rire Valentine pour que je sois une licorne jusqu'au bout. Je sais pas si je vais les consommer en toute honnêteté, mais j'adore l'idée de gélules à paillettes. Voilà. Hop. Top. Vraiment, non mais il est trop beau. Je trouve trop beau, je trouve que même en sac il est magnifique. Alors, parce qu'au pire, même si c'est une boîte à bijoux, dedans là il y a quand même la place de mettre 2-3 trucs pour sortir. Que, vous savez, moi j'adore les mini sacs genre la Jacquemus et tout, donc je suis sûre ça passerait dans un look d'automne. Les gars, je suis sûre je vais sortir avec en mode c'est un sac à main parce qu'il est trop beau. Bref. Ensuite, là de la part de Océane, Doudou, Émilie, si je dis pas de bêtises, j'ai reçu ça. Et du coup, les gars, ça va être un grand changement. Parce que j'ai reçu un trépied de la mort qui tue. Vraiment. Il est magnifique. C'est vraiment un gros trépied bien solide. Puisque le mien, là, il est au bout de sa vie. Brandon me l'a offert. J'étais trop contente et tout. Les garçons m'ont cassé. Les attaches sont toutes pétées. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remettre mon téléphone portable. Retourner tout ça tranquille. Il est beaucoup plus lourd que l'ancien. Hein, clairement. Et il est superbe. Du coup, bah, voilà. Il ne manquera plus que j'achète mon Canon quand je pourrai là. Et au moins, je sais que sur ce trépied, il sera en sécurité. Donc ça c'était un beau cadeau, j'étais genre trop trop contente. Il me semble que Millie elle a le même pour son appareil photo, si je dis pas de bêtises. Millie, si c'est le cas, si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire, comme d'hab, tu me le rediras en vrai, bref. Et pour terminer, mon gros 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 cadeau que j'ai eu la part de Doudou, j'étais trop trop contente, vraiment, j'étais à... J'ai reçu la Switch Lite en rose, elle est trop belle, avec Animal Crossing. Et du coup, bah, il y a 3 mois avec de... truc online là, c'est pour pouvoir jouer avec les autres, aller sur les îles des autres machin et tout, et Océane m'a dit que quand les 3 mois seraient terminés, elle me prendra 1 mois d'abonnement. Ils sont juste trop mignons, vous êtes des amours. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble la console en vrai, je suis trop fan vraiment, à savoir que je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui ait beaucoup de consoles tout simplement. Ma dernière console que je me suis achetée pour moi, clairement bah, c'était ma Nintendo DS Lite que j'ai dû acheter en 5e, 6e. Je ne suis pas racheté d'autres consoles depuis, donc pour vous dire, voilà. Mais celle-ci me faisait vraiment très très envie. Voilà, je la trouve trop belle. En rose, bien évidemment. Je voulais pas la Switch normale, parce que je m'en fous que les manettes décollent. Je m'en bats les couilles, vu que je joue pas beaucoup. Il me fallait juste une petite console. Voilà. Et je suis trop contente. Et du coup, avec Animal Crossing, parce que c'était vraiment le jeu qui m'attirait de ouf. Et comme ça, je vais pouvoir jouer du coup avec Millie et...
et Océane, qui ont également Animal Crossing. Et bien évidemment, j'ai vu, bah, dès que je l'ai montré un peu sur Insta, j'ai d'autres de mes amis qui m'ont dit, moi aussi j'ai Animal Crossing, tatati tatata. Donc à voir, pour l'instant j'ai commencé un petit peu le jeu, je trouve ça adorable, j'adore vraiment. J'avais jamais joué à aucun Animal Crossing, mais c'était tellement cute que c'était sûr que ça allait me plaire. Et voilà, du coup je suis trop contente. J'ai été vraiment gâtée par mes amis et mes proches comme d'habitude. Donc du coup je vous remercie encore tous pour vos cadeaux et tout, et surtout pour votre présence, pour ceux qui ont pu venir à mon anniversaire, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ensuite après il y a des gens qui n'ont pas pu venir malheureusement, mais c'est pas grave, je les remercie d'être là dans ma vie tous les jours et de m'avoir souhaité mon anniversaire. Merci à tous ceux qui ont pensé, qui m'ont envoyé un message, un commentaire, peu importe, ça me fait très très plaisir. Je pense pas forcément à répondre sur les réseaux sociaux parce que voilà, je suis tête en l'air et tout en plus, mais merci à beaucoup à tous pour cette belle année, pour ce joli anniversaire. J'en suis ravie, voilà, j'ai les petites larmes là, je sais pas pourquoi, c'est la fatigue sûrement. Bref, j'ai trouvé ça trop cute, voilà. J'ai aussi reçu un petit collier en simili-cuir noir et tout qui est trop beau, mais je l'ai pas encore reçu, je sais que je vais l'avoir et tout de la part de mon chat. Et j'ai Babe aussi qui m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi, et vu que je filmais la vidéo avant, je vous le montre pas, je suis désolée, je vous le montrerai dans mes vlogs je pense, si j'y pense. Et voilà, j'espère que j'ai oublié personne, vraiment, en tout cas, merci pour tous les beaux cadeaux, merci pour tout, merci à vous aussi les cupcakes d'être présents, c'est un très beau cadeau pour moi de voir que vous vous abonnez à la chaîne de plus en plus et que vous commentez mes vidéos, je suis toujours très très contente de vos retours. Du coup, bah écoutez, je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou même vous abonner à la chaîne, du coup, comme je vous le disais, ça me fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes.